est à l'écran, hein, à l'intérieur de la voiture. La séance démarre dans moins de 2 minutes. Donc on va attaquer la troisième série de tests. À tout à l'heure. Привет, Марокко! Добро пожаловать на Moscow Raceway! Nous nous trouvons actuellement à Russie, aux alentours de Moscou, pour le circuit automobile Moscow Raceway, qui accueille de nombreux événements automobiles, dont WTCC. Et cette année, nous souhaitons énormément de courage au pilote marocain Mehdi Benani. Là, on est à la sixième étape du championnat du monde. Étape très importante parce que voilà, c'est la moitié du championnat. C'est là où il faut être fort et c'est là où il faut marquer les points. Les écarts sont serrés malgré tout, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais Mehdi en tête, donc ça fait plaisir. On attend toujours la décision d'Honda qui changera peut-être la donne et qui nous permettra de conforter notre avance. Avant les qualifs, il a commencé à pleuvoir des cordes, donc il y a beaucoup de stress, mais Inch'Allah, j'espère que ça va aller. Bonne qualification, même très bonne, parce que conditions pluie, on est à 80 kg de plus. Je suis à moins de 1 dixième, à ce qui paraît 8 centièmes de Lopez, donc le pilote champion du monde actuel, qui est en usine. Donc, alhamdoulilah. C'est un championnat du monde, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que je découvre les aéroports et les circuits. Parce que quand on arrive, il faut préparer la course. Donc à partir de mardi, mercredi, on est déjà dans la tête focalisée pour les réglages, la stratégie, les briefings, débriefings avec le team. Après, notre mission principale, parce que les pilotes sont des porte-drapeaux dans un championnat du monde, à ce que notre drapeau soit bien placé et qu'on se batte contre les meilleurs pilotes. Et alhamdoulilah, ça se passe pas trop mal parce que là, actuellement, je suis deuxième dans le championnat du monde, derrière Lopez et juste devant Yvan Muller. Hello, Morocco people. Let me show you something. This is Mehdi Benani car in Interesting Simulator. Now, we will make a lap on Moscow Raceway. Donc là, comme vous voyez, on se prépare pour la course, Inch'Allah, bientôt. Donc dans moins de 30 minutes, la course commence. Pour l'instant, les prévisions nous annoncent des petites pluies éparses en début de course, pas forcément sur toute la course. Donc là, on sait que les choix de pneus, ça va être encore quelque chose de très compliqué. Et pareil, concernant les setups, on est obligé de prévoir des setups pour la pluie et pour le sec. Les pilotes vont s'élancer, attention. Alors, extinction des feux, très important pour trouver le grip, là il faut absolument voilà, c'est parti pour la course d'ouverture de la sixième manche du championnat du monde WTCC. Mehdi est en train de faire l'extérieur, très belle extérieur. Ouh, ça reprend. Attention, oh, bah, très très belle maîtrise de Mehdi Benani belle là. Reprise. Attention le prochain tour, oh là, attention. Attention à ce petit coup de roue là de James Thompson qui est limite fair play. Fin de la première course, ça s'est pas passé exactement comme on le souhaitait. Mehdi est parti second. Il finit quand même dans le top 10, donc on marque des points et ça c'est l'essentiel. Là il est parti pour la course 2. Voilà, on espère qu'il va faire de bons résultats et marquer encore de gros points. Ouais.
drapeau vert est levé. On vous le rappelle, je vais passer de la Dampol, Casburg vert et c'est parti pour la deuxième course du Moscow Raceway avec donc le trio Lada en tête. Et Fixa qui va attaquer Mehdi. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez que les Citroën ne sont pas bien. Elles sont pas bien du tout. Hein. Elles sont pas bien du tout parce que effectivement. Alors vous voyez là, il sort vraiment à l'extérieur. Donc c'est bien, il a trouvé le grip. Alhamdoulilah, bien. Parce que toutes les courses, je me suis battu avec Muller Lopez et les pilotes usine de chez Citroën. Donc c'est eux. Donc j'ai pu dépasser Muller qui est 4 fois champion du monde et me bat toute la course avec Lopez, donc c'est une bonne course. Après, on est rentré quand même dans le top 10, même si c'est pas une position qui me donne un sourire. Mais alhamdoulilah. Rendez-vous au Portugal, à Villarreal, inchallah, dans 2 semaines.